Marie-Tégrine, qu'est-ce qui a intéressé Robert Bresson chez vous, d'abord? Oh, ma jeunesse, certainement. Mon non-savoir de... d'acteur, d'actrice, prête à tout. Et ta beauté, peut-être aussi, quand même. Pardon ? Et ta beauté, peut-être aussi. Pas forcément, je crois pas. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ce soir, c'est Martin Lassalle qui devrait être là, évidemment. Et Martin Lassalle, il est depuis des années comme ça, un petit peu injoignable. Et puis, il y a, je crois, en 96, j'étais à Mexico City pour un festival de films. Et j'avais entendu que Martino était à Mexico City. Alors, j'ai tout fait pour essayer de le retrouver, ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, j'avais un peu l'angoisse, 40 ans, des choses comme ça. Alors on se donne rendez-vous à la Cinémathèque de Mexico City. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la Cinémathèque là-bas. Ce sont des salles immenses. Chez nous, la Cinémathèque, c'est bien, mais enfin, ça n'a rien à voir avec Mexico City. Et puis, tout d'un coup, je vois quelqu'un assis dans le jardin de la Cinémathèque, avec une espèce de petit chapeau marocain, tout en clair, etc. C'était Martin, évidemment, les yeux minces, très beaux toujours, un petit peu enrobé, mais très très bien. Bon, c'était comme si on s'était vu la veille, et puis il y a la soirée d'une projection de film, et puis le présentateur mexicain dit, ben voilà, voilà, oui, pickpocket, hein. Et dans la salle, il y a Martin Lassalle. Et il y a eu une marée d'applaudissements absolument fabuleux, extraordinaire. C'était très impressionnant parce que c'est une salle de, je sais pas, de 2000 personnes, et tous ces gens connaissaient Pickpocket, connaissaient Martin Lassalle, et c'était émouvant. Paul Beccali, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce film? Moi, je suis encore sous le coup de l'émotion, c'est peut-être la 200e fois que je le vois. Je suis pas un maniaque pourtant, hein, mais c'est un film tellement magique, tellement beau. Quoi dire? Moi, sur Bresson, j'ai des petites choses à dire. C'est que le cadre enferme les gens. Beaucoup de metteurs en scène, dont moi en parenthèse, travaillent dans l'espace. Bresson travaille dans le cadre, mais il travaille dans le cadre au profit de l'espace. C'est-à-dire que tout part du cadre et irradie comme ça vers l'extérieur. Le moindre regard fait exister le contre-champ, il n'a pas besoin de le montrer. C'est pas par sens d'économie, c'est pas par une espèce d'économie de cinéma qui fait ça. C'est que le regard de Martin Lassalle suffit à montrer ce qu'il y a là-bas. Et c'est parce que, bon, vous avez remarqué, tout va à l'essentiel tout le temps. J'ai jamais vu un voyage à Milan aussi rapide. L'aller-retour en deux plans, ouais, tout est comme ça. Donc il y a cette espèce de volonté de... Je ne dis pas d'économie, mais de garder l'essentiel des choses. Qu'est-ce qui est important pour l'aventure de ces deux âmes, comme il dit, qui jamais ne se seraient rencontrées sans ça. Donc il y a déjà cette première chose. Quand les gens veulent faire du Bresson et qu'il n'y a pas Bresson, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que de Bresson, on ne retient que des valeurs qui, au fond du compte, sont négatives. C'est-à-dire la retenue. C'est pas vrai. Bresson ne retient rien. Bresson donne sans arrêt. Je ne connais pas de cinéaste aussi généreux que Bresson. Je parlais du cadre tout à l'heure, je veux dire, c'est exactement l'inverse de Godard. Godard, le cadre ne signifie presque rien. C'est le hors-champ qui rentre dans le cadre. C'est absolument le phénomène inverse de Bresson. Bon, c'est aussi beau. Bon. Voilà. Bon, on a vu par exemple dans Pickpocket une séquence absolument magnifique de virtuosité, qui est la séquence des vols dans la gare de Lyon. Bon. Eh bien, quand Bresson va chercher la virtuosité, quand Bresson va chercher la lenteur,
Quand Bresson va chercher le mouvement d'appareil, je pense à ce magnifique travelling de la mort de la mère, qui est une des choses les plus émouvantes que j'ai vues de ma vie, c'est toujours au profit d'une musicalité. Ce n'est jamais... j'ai le souvenir, je crois que c'est dans 4 nuits d'un rêveur, où ils vont voir un film que Bresson a tourné, et elle dit, nous sommes tombés dans un piège. Et c'est un polar, et c'est fabuleux ce qu'il fait. Dans L'Argent, le petit bout de hold-up est absolument effrayant de virtuosité, de connaissance profonde du cinéma. Donc si Bresson ne fait pas autre chose que ce qu'il fait, c'est parce que c'est la musicalité qui l'intéresse. Donc la virtuosité est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un peu les choses que je voulais dire au sujet de Bresson. Moi, c'est vrai que c'est un film qui a toujours été vraiment important pour moi. C'est un film que j'ai découvert au moment où je découvrais un peu tout le cinéma, comme ça, à la fin de l'adolescence. Et avant de voir peut-être la grandeur de la mise en scène de Bresson, moi, ça a été ce personnage du pickpocket, c'est vrai, un personnage ami un peu. Parce qu'on dit toujours, c'est vrai, hein, Bresson, grand formaliste, et puis même à sa disparition, ça me faisait vraiment de la peine, parce que j'entendais tout le temps hautain, froid, alors que c'est tellement brûlant et tellement plein d'amour pour moi. Et c'est vrai que ce personnage comme ça de solitaire, j'avoue, est devenu un personnage ami, comme ça, quoi, à 16 ans, quoi, où on est parfois comme ça, solitaire, enfermé en soi-même, où on ne rêve que de sortir de soi-même et d'entrer dans le monde, et on a l'impression que le monde est tellement loin, comme ça, où on est atterré par sa propre médiocrité, et en même temps, on a un orgueil fou. Donc c'était dans cette intimité-là que j'étais avec lui. Et ce que je trouve moi, vraiment tellement, tellement fabuleux, quoi, c'est qu'il ne parle que de ça et qu'il nous le rend sensible. On le vit. Quoi. Par exemple, cette absence au monde, ce sentiment que le monde est si loin, quoi, on l'a tellement, ne serait-ce qu'avec ça, avec ces voitures qu'on n'entend pas, enfin, une porte de café hein, s'ouvre, le son ne bombe pas pour autant. Le monde est loin et il n'est question que de ça. Quoi. Comment y rentrer, comment entrer dans une histoire d'amour, comment rejoindre la femme, et il nous le montre, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Et donc, il y a une thématique, et en même temps, il y a tous les gestes qu'il faut, quoi. Parce qu'on est tellement hein, ramené à ça tout le temps. Dans le cinéma, c'est quand même que du concret, quoi. Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on filme? Et lui, quoi, il arrive quand même à tout, quoi, aux choses de l'esprit, à la métaphysique, par ça, quoi, par les gestes, quoi. Et quel génie, quand même, d'avoir trouvé ça, quoi. Est-ce que si on peut dire que c'est une métaphore, je sais pas, le fait du pickpocket, mais la main qui s'approche, quoi, c'est tellement tout, quoi. Le désir, c'est l'envie de s'approcher, quoi, la peur de s'approcher, c'est aussi, je crois, l'envie d'être pris, quoi. Pour moi, c'est un des plus beaux films sur la délinquance. Qu'est-ce que c'est quand même la délinquance? C'est la révolte, mais c'est aussi, quoi, une façon possible, quoi, d'entrer dans le monde en étant pris, en étant jugé, puisqu'en plus, je crois qu'il était quand même très nourri de Dostoïevski, quand même, Crime et Châtiment, tout ça, c'est quand même très présent là. Prenez-moi, quoi, c'est-à-dire jugez-moi que j'existe enfin. La direction d'acteur chez Bresson, c'était quoi exactement? Il ne dirigeait pas des acteurs. Il nous dirigeait, nous, des êtres. Et il ne recherchait que le son, pas dénaturé, mais pas le son vide, mais le son, le ton, complètement abandonné de tout désir d'exprimer quelque chose dans le mot qui était dit. Et de là, je pense, il voulait que de là arrivait la sensibilité, le fait de vider, c'est un mot un peu banal, de vider la personne de toute pensée. Et cette personne donnait le texte en étant elle-même, en ne pensant pas, en étant là, toute simple, toute naturelle. Sans faire de psychologisme, on est quand même frappé par la complexité des sentiments qui se dégagent à travers un minimum de gestes dans la solitude et cette ambivalence des sentiments qui apparaît chez tous les personnages. Il y a une dimension spirituelle qui est envoûtante, je trouve. J'avais d'autant plus raison qu'on reproche souvent à Bresson de faire en sorte que les interprètes soient monocordes. Alors moi, j'ai toujours dans la tête cette espèce de petite différence qu'il y a quand Martin Lassalle dit « tu l'aimes », qui est presque monocorde, et un temps après, juste un peu au-dessus, et elle t'aime, et la voix descend à peine. Bon, c'est minuscule, tout le monde dit « mais non, c'est la même chose ». Pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est que les différences d'une phrase à l'autre, d'une séquence à l'autre, d'un plan à l'autre, sont absolument infimes, mais elles sont là.
elles sont là. Il y a des accélérations incroyables. Moi, j'adore aussi quand il dit « j'ai cru en Dieu pendant 3 minutes ». Ça sent comme des couvrins, en tout cas. Et c'est vrai que c'est un bonheur, quand même, de jeu. Enfin, non, enfin, sûr, je ne sais pas bien ce que c'est, quand même. Et puis d'audition, quoi. Enfin, c'est parce que c'est vitesse. Et c'est pas, c'est vrai, la norme naturaliste ou théâtrale, c'est autre chose. C'est quand même un des premiers à s'intéresser au son d'une manière aussi incroyable. Il ne faut pas oublier qu'il a inventé ce qui maintenant est devenu la tarte à la crème. Quand, dans les Dames du Bois de Boulogne, quand Maria Cazares, en très gros plan, parle au téléphone à Paul Bernard, raccroche et dit « je me vengerai », et sur le visage de Cazares, on entend les claquettes de Lina Labourdette. Bon, bah maintenant, je veux dire, un plan comme ça, c'est tout à fait ordinaire. Mais au moment où il l'a fait, c'était une invention absolue. Chevauchement du son comme ça, et puis la pureté du son tout le temps. Dans le métro, on voit une bonne femme qui prend son ticket, puis pas un mot. Ça n'a aucune importance ce qu'elle dit, quel intérêt. Bon, ben voilà, on va à l'essentiel, puis c'est tout. Est-ce qu'il est possible de mesurer l'importance, l'influence qu'a fait Robert Bresson sur vos deux générations de cinéastes? C'est vrai qu'elle est énorme quand même, hein, beaucoup de jeunes cinéastes, quoi, invoquent toute Bresson, la nouvelle vague. Et c'est vrai parce qu'il met là-bas. Un peu bécassement, quelquefois, mais toute la nouvelle vague. On trouve les racines partout chez ces gens-là. Ils ont beau dire que Renoir, c'est le patron. Moi, je trouve que le papa, c'est Bresson et la maman, c'est Cocteau. C'est pas. C'est vraiment la filiation absolue de Bresson-Cocteau qui préside à la nouvelle vague beaucoup plus, ou Guitry, effectivement, que Renoir. N'a jamais donné d'influence sur les gens de la Nouvelle Vague, hein, à mon sens. Mais à ce propos, si vous pouvez dire du rapport de Bresson à l'écrit, justement, aussi bien qu'on le voit là, quand on écrit sur son cahier, enfin, qu'est-ce que ça veut dire que... Mais Bresson, enfin, vous avez lu, j'espère, pour vous, si vous ne l'avez pas lu, il est chez vous, Note sur le cinématographe, quand même, qui est une merveille d'écriture. Je ne dis pas sur ce qu'il dit, mais la façon dont il l'écrit, c'est magnifique. On peut en faire de la poésie en étant aussi directement technique. Ce que Bresson a appris avant tout, c'est que chaque cinéaste doit avoir sa trajectoire. C'est vrai. Et il faut chercher sa trajectoire, pas la copier. Chacun d'entre nous a sa trajectoire, il faut la chercher, la trouver. Mmh. C'est la magie. Et c'est pour ça qu'il est important, je crois, pour beaucoup, c'est qu'il met la barre très haut, quoi, et qu'il donne envie, quoi, voilà. En tout cas, d'être exigeant, audacieux et libre. Quoi.